この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut tout le monde, c'est Dantos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de South Park, le bâton de la vérité. C'était vraiment dégueulasse. Et donc dans le dernier épisode, nous avons récupéré le paquet pour Tweak. Donc on va aller lui rendre. Attendez, est-ce que j'ai vu que j'avais une quête à faire juste au-dessus? C'est peut-être le truc de l'homme hors sport. Bon, on est à côté après tout, on peut peut-être y aller. Si je me souviens comment on y va. Oula là là, eh oh, tout doux, tout doux. Bah mince, comment on peut aller là-haut? Ça doit être par en haut. C'est comme si on était bloqué par le bus. Est-ce que je peux monter par là? Ou passer derrière le bus? Enfin, le camion, tout simplement. C'est par ici, la quête de l'armor sport, oui. Alors, par contre... C'est la première fois que je fous les pieds ici, je vous avoue que la quête de l'amour sport, je l'ai pas du tout faite. Il faut taper les vaches. Oui, bah tu peux gueuler autant que tu veux, moi j'en sais rien, je demande. C'est fermé à clé, donc je suppose qu'il faut passer par la seule fenêtre disponible. D'accord, c'est un petit peu compliqué quand même pour se repérer. D'accord, ouais, c'était ça. Il fallait que je mette le bâton là-haut. Hop, objectif rempli. Sur la girouette. Ah bah c'était écrit dans les quêtes, d'accord. Est-ce qu'on peut faire gling gling? Je suis peut-être un petit peu trop près, attendez. Non. Oui, je sais la vache. Je suis un méchant. Bon, tant pis. Yo, t'es qui toi? Donc le Team Express, on va aller donner le truc à Tweak, il va pouvoir peut-être voler... Ah, peut-être venir nous aider. Coucou, c'est nous. Tiens, le père a disparu. Ah oui, il est là. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Voilà, bon, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a à ramasser, s'il doit forcément y avoir des trucs. Je vois surtout le coffre là-haut. Voilà, j'ai tout pris. Est-ce que ça se loot? Oui. D'accord, bon, faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je peux looter. I saw two rats running around last time I was at Skater's Bar. Donc, carte. Donc pour Tweak, c'est réglé. On va aller voir un autre con là-haut. Maison de token. What are you looking at, pussy? Non. Vous ne nous aurez pas, parce que on a une mission très importante donnée par le seigneur Cartman. Enfin, le magicien, là. Alors, attendez, on va juste s'équiper. Oh mon dieu, le design. De toute façon, pour l'instant, ça sert à rien que je mette d'autres stuff. Coucou. I warn you. What the fuck? Oh no! Oh no! Ça tu peux le dire. Well, what are we waiting for? Alors, appuyez sur A. Ow. Il avait une protection, j'aurais dû faire des attaques avec le X. C'est pas grave, marteau de Butters, pète-lui la genou. La genou, la gueule. Ow. Ah, 26, voilà, ça c'est du Butters. Oula, il tape 4 fois, Butters a failli mourir. On va lui latter les couilles. Voilà. Il tapera pas pendant quelques tours.
Maintenant, Butters va pouvoir utiliser son attaque ultime. Voilà. Il est vénère, mais logiquement, on devrait pouvoir l'achever avant. Voilà. On l'a défoncé, le pauvre. Et en plus, on a récupéré son arme. Est-ce qu'elle est mieux que celle de Kenny? L'attaque parfaite réduit la défense. Je prends la matraque. Voilà. Ah, attendez, il y a un item juste là. Est-ce qu'on peut le récupérer? Oui. Un tacos. Il y a quelque chose là-haut? Logiquement, oui. Coffre de religieux. On aurait dit le chapeau à Cartman. Attendez, est-ce qu'on a eu une batte qui n'est pas dans notre équipement? Bon, ce n'est pas grave. On va remettre notre casque de perspicacité. Alors. Oh, un team Pokémon. Voilà. Allez, viens. Can I help you? What's this? Oh, the elf took the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Ok, le mec il va même pas... Il va même pas bosser. Retournez voir Cartman. Bon bah allons-y. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Ouais, tu peux te sentir honteux, tu t'es fait défoncer par un enfant. Chez Cartman, c'est ici. Oh, ça va être qui? Coucou toi. Ah bah on est déjà arrivé. Soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Oula, il va apprendre le Dragon Shot. Fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath. Through your butthole. Like so. Hey. Then let it rumble inside you and dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout. Now you. Ready? Dragon shout. C'est vraiment crade. Alors. Find the frequency. Hold. Hold. Merde. You don't need to hold it in, dude. You're not some chick at a party. I'll show you one more time. Suck it in. Parce qu'en fait, j'ai relâché le stick sans faire exprès. Now you. Ready? Dragon shout. Allez, dragon shot. Hold. Hold. Voilà. My god, that was incredible. C'était incroyable. Live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey Princess Kenny. Oh mon dieu. Could you come here a sec? On va tester sur la princesse Kenny. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Voilà. That was fucking hilarious! That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny.
Kenny, il a pas l'air d'être très très heureux de ce qu'on lui a fait. Bon, ce n'est pas grave, on peut pas lui en vouloir. Ok, nous maîtrisons maintenant le Dragon Shot. En gros, on pète. Bon, pourquoi pas, hein, écoutez. Kenny va me seconder. Ok, pote Kenny déverrouillé. Et la quête... L'école. L'école, c'est où? Non, il me semble que c'est vers la gauche, hein. Ok, c'est là. Il suffit d'aller tout droit. Alors. Et j'ai eu deux nouveaux amis, mais moi j'aurais bien changé de copain. Voilà. Kenny vient de popper avec moi. Amélioration disponible. Ah, ça je n'avais pas vu, ça m'intéresse. Le niveau 2 du lattage de couilles. Magnifique princesse Kenny. Hein. Bon, après tout, il a le droit. Je vois pas pourquoi il aurait pas. Oh, de l'argent. Ah non, c'est pas que de l'argent. Mais bon, maintenant c'est à moi. Oh, you want some of this? Ouh, je les ai esquivés. Même si c'est pas forcément une bonne idée, parce que il faudrait pexer un petit peu en les tuant. Mais bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Oh, bah tu vois que ton machin il est revenu. Fallait pas pleurer dans les derniers épisodes. Vilain, va. Allez, princesse Kenny. Cours. On y est presque. Enfin, je crois. C'est pas l'école, ça? Non. Voilà, c'est l'école. Tiens, on va parler aux gens. Enfin, on va essayer de parler aux gens. C'était des elfes que j'ai vus, hein. Craig, Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar and I'm a level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Ça, c'est ce que tu crois, mon pauvre. Nous allons aller sauver Craig. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Voilà, tu sais, t'avances tout lentement et tu donnes un grand shoot dans la tronche. Maintenant que vous maîtrisez le cri du dragon, vous pouvez utiliser votre magie pour renforcer vos attaques armées. Appuyez sur Y lorsque vous voyez une étincelle. Attendez, on va tester avec l'arc. Trop tôt, merde. Mon dieu, il se soigne, le salaud. Alors, on va essayer. D'accord, donc le saut que j'ai fait, c'était par rapport au P. Bon, par contre, ça m'a grugé du mana. Voilà. Nous avons battu le survivant du couloir. Envoyez des renforts. Oh, le salaud. Oh, god damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Allez. On va leur vider les poches et on va aller sauver Craig. Voilà, on a tout pris. Oh, c'est joli ça. Bon, on a cassé des chaises, c'est bien. Oula. Intruder alert! Initiate security protocol! Passez-vous devant le feu et lancez un cri du dragon. Ah ouais, c'est efficace.
J'avais oublié à quel point c'était puissant. Hop. Attendez, est-ce que je veux juste verrouiller, on peut pas y aller. Ça, ça peut se casser par contre. Oula, je me suis pris des dégâts comme un con. Zut. Fermé. Ah, ça on peut prendre, parfait. Je ne passerai pas cette porte, vous voyez. Trouve une clé en or dans le bureau de McKay. Ok, cherchons le bureau de McKay, il est où? C'est... McKay, c'est le conseiller, non? Merde. Donc il me semble que McKay, c'est le conseiller, hein, le conseiller de l'école. Il a un bouclier. Mince. Voilà, on lui a niqué. Charme. Donc j'ai réduit son attaque. Bon, il fera moins de dégâts. Changer de pote, aptitude, baiser royal, ami à poil, ensorceler les créatures de la nature. Non. J'ai pas besoin de ça pour le tuer. Il m'a fait quoi là? Je suis écœuré, oh non. En étant écœuré, je crois que je vais vomir et je vais perdre des points de vie régulièrement. C'est pas grave, on va le défoncer. Ouh, juste du 1. Bon, on va balancer les attaques ultimes. Hein. Aptitude, ami à poil, secouer. Ok. Voilà, j'ai réussi. Ah, c'était puissant. Voilà, donc nous avons tué ce pauvre petit rouquin qui était seul. À tous les coups, j'aurais dû attendre. Bon, c'est pas grave. Voilà, on fout la merde. C'est fermé à clé, on peut rien faire. Vous aurez besoin de vos compagnons pour contrôler certains obstacles. Maintenez LB, choisissez l'outil commande pote. Commande pote, maintenez LT. Alors attendez, LT. Vas-y. Oh wow, boobies. Must have, must touch boobies. Oui. Est-ce qu'on peut looter son stuff? Oui. Janitor. Est-ce qu'il y a quelque chose ici au moins à ramasser? Apparemment oui, bon. Basement, basement. Non, non, vous m'aurez pas. Voilà, on a pris un avantage tactique, on en a éliminé un avant le début du combat. Ils ont un bouclier et l'autre a survivant juste de couloir. Je vais attaquer là. Wow, c'était violent. On va réutiliser les pouvoirs de Kenny avec les amis à poil, ça avait l'air d'être très, très efficace. Voilà, j'ai réussi à m'en défaire. Est-ce que ça valait vraiment le coup au final? Parce qu'ils ont l'air d'avoir eu des dégâts, mais c'est tout. Ah si, le petit là, il a pris très très cher quand même en bas. On va l'achever. C'est parti pour du lattage de couilles. Oh le pauvre, ça a dû lui faire tellement mal. Et par contre l'autre il a un petit peu trop de points de vie.
Ok, c'est bon. Pose point d'épice, ok, il se régène. On peut lui faire le coup de la batte de baseball. Voilà, et là Kenny va pouvoir l'achever avec son arc. Vas-y Kenny, défonce-lui la bouche. Voilà. La troupe officielle est à terre. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. C'est bien parce que c'est pas le moment de jouer à Donjons et Dragons, mais c'est lui qui dit qu'il nous faut des clés. Tac, attendez, on cherche le stuff. Voilà, hop, on a pris la balle au prisonnier. Sauf que, écoutez les amis, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode numéro 3. Je vais quand même pousser pour l'épisode numéro 4, histoire de terminer cette zone. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao tout le monde!